Jésus. Au nom de Jésus, je prie pour ses corps, Père. J'aimerais qu'elle se réveille, qu'elle se sente bien. Au nom de Jésus, Seigneur, guéris ma maman. Ô Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous savons que tu es là. Descends, Seigneur, et fais quelque chose pour nous. Ce corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons que tu chasses tout cet esprit des maladies. Le diable, tu as menti. Tu es un menteur. Au nom de Jésus, tu ne peux pas prendre ma mère. Tu n'as aucun pouvoir de prendre ma mère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne peux pas mourir, maman. Maman, tu ne peux pas mourir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse cet esprit. Je commande cet esprit de libérer ma maman. Ma maman ne doit pas mourir. Au nom de Jésus, reviens dans ce corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reviens dans ce corps. Reviens dans ce corps. Reviens dans ce corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu ne peux pas mourir. Tu vas vivre. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci d'avoir exaucé ma prière. Merci Seigneur. Merci. Maman, ça va? Hein? Vraiment. Comment va-t-elle? Elle se repose. Je crois qu'il va se sentir bien. John. Maman. S'il te plaît. Apporte-moi les médicaments. Elle doit me faire passer. Maman. Maman, comment tu vas? Mon fils, t'inquiète. Et je t'assure que cette compagnie va te rappeler. Maman, d'accord, d'accord. Je t'ai entendu. Essaye de te reposer, maman. Hein, repose-toi. C'est bon. Oui, j'ai bien compris, maman. Ça va, maman. Essaye de te reposer, d'accord? Hein? Que voulais-tu dire qu'elle a failli nous laisser? Elle était en train de mourir pendant que j'étais en train de prier. Et puis elle est là. Maman, tout va bien, tout va bien. Je t'ai appelé ici à cause de l'urgence de ce problème. Oui, pasteur, vous aviez l'air très, très urgent pendant l'appel. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous m'aviez demandé de venir avec Fabiane. Avez-vous également une vision pour lui? Exact. Et pour dire vrai, tous les deux avaient les mêmes problèmes. Tous les deux, vos vies sont cernées. Vos vies sont contrôlées par des esprits maléfiques. Ah, pasteur, que voulez-vous dire? Exact, pasteur. Vous devez vraiment nous expliquer. Vous devez vraiment nous expliquer parce que vous êtes en train de me confondre. Je veux dire, plus confus. Je ne fais qu'être de plus en plus confus. Frère Emeka, comment aviez-vous rencontré ce féticheur? Oh, exact. Le féticheur. Sérieux, ça veut dire quoi ça? Hein? Qu'est-ce qui se passe juste? Où allons-nous exactement? C'est quel endroit? N'allons-nous pas arriver? Allez, patience. Nous ne sommes plus loin. On y est presque. On y est presque. Depuis combien de temps tu n'arrêtes pas de dire cette phrase? On y est presque.
Pourquoi m'as-tu demandé de parquer la voiture aussi loin comme ça, hein? On aurait pu conduire jusqu'à là-bas, c'est quoi, juste, plutôt que de marcher comme ça? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Avançons, et mec, arrête de te plaindre comme un petit enfant. Quoi? Nous y sommes déjà presque. Es-tu normal? Es-tu normal? Est-ce que tu te rends compte que tu es en train de parler à ton patron maintenant? Désolé. Je suis très désolé, ok? D'accord. Un peu de patience. Non, mais est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, où est-ce que nous sommes en train de partir? Nous sommes déjà presque. Non, non, non. Je vais prendre ma voiture. Comme ça, on va y aller. Viens avec moi. Tiens-moi la main. Hein? Sois encouragé. C'est seulement un fou qui ne sait rien sur un sort qu'il utilise sans en savoir les conséquences. Emeka, heureusement que tu es ici. Sinon, crois-moi, tu serais déjà un homme mort à l'heure qu'il est. La personne avec qui tu as un problème s'est enfin décidé de te faire mourir. grand sage. Bien, s'il vous plaît, je vous en prie. Je vous en prie, aidez-moi. Aidez-moi et débarrassez-moi de cette personne qui veut me tuer. Je ne sais pas quoi faire d'ailleurs en ce moment. Je ne sais même pas dire qui veut me tuer ou pourquoi, je ne sais même pas. Alors aidez-moi, je vous prie. Emeka, je vais t'aider. Je vais t'aider à combattre toutes tes batailles. Mais si seulement tu viens ici pour m'offrir un très très bon sacrifice, je parle d'un article. Cela ne sera pas un problème du tout. Zino ici présente m'avait demandé de bien me préparer, d'avoir un peu d'argent avec moi, alors je suis bien préparé. Cela ne sera pas un problème, donnez-moi juste un montant. Donnez-moi juste un montant, donnez-le-moi. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que ce genre de problème peut m'arriver à moi, alors je dois vraiment en finir. En tout cas, s'il vous plaît, faites tout votre possible. Faites vraiment tout votre possible, s'il vous plaît. Bien. Bien. tenez, hey. Voilà. Voilà 500 000 Naira. Juste utilisez-les pour le rituel, pour tout ce que vous voulez acheter là, s'il vous plaît. Jette-le ici, à l'intérieur de la calebasse. À l'intérieur de la calebasse. Mets-le dans la calebasse. Mets-le dans la calebasse, oui. Mets-le là. Exact. Vois-tu, la personne derrière ta situation actuelle n'est pas du tout loin de toi, Emeka. Elle n'est pas loin de toi. Cette personne, c'est ton oncle. Ah! Exact. Ah! Ah! Oncle Ruba? Exact. Ah! Non mais quel monde méchant! Comment est-ce qu'un homme dont je prends soin comme mon propre père, un homme dont je me rassure à chaque instant qu'il ne manque de rien, veulent me tuer? Ah! Oh! Oncle Ouba, ok, il n'a pas à s'en faire! Il n'a pas à s'en faire! Il n'a qu'à attendre! Qu'il attende à ce que je vienne, je vais en finir avec lui! Et quand j'en finirai avec lui, il saura qui je suis! Ah! Tu ne feras pas une telle chose! Au contraire, n'arrête pas de l'aider! Cela sera le commencement de ta vengeance. Pardon. Vous voulez dire que je devrais continuer d'aider un homme qui n'est intéressé à rien d'autre à part me voir mourir? Hein? Exact. Les dieux de notre terre vont le combattre pour toi. Les dieux vont le combattre pour moi. Oudou, c'est les mains, Oudou, c'est les mains, Oudou, c'est les mains. Le vieux sage, le vieux voyant, oui, c'est vérité, auprès de Dieu. Qu'est-ce que tu racontes? Prends la lettre, tout ce qu'il t'est dit, et va exécuter ses instructions. Je devrais lui faire confiance.
Oncle, merci beaucoup. J'apprécie tout ce que vous faites. Bien, il n'y a pas de problème. Oncle, vous avez dit que je devrais continuer ainsi? Exactement, continue. Ok, sois un homme bon, aucun problème. Et pendant que vous sortez là, ne regardez pas derrière, aucun problème. Zino, ne crois-tu pas que l'on devrait se concentrer sur quelque chose d'autre à part ce problème? Allez, Mika. Tu t'es assez dérangé pour ces problèmes de job jusqu'ici. Écoute, Agbara ne va pas seulement accomplir le vœu de ton cœur, mais il fera aussi en sorte que tu signes un nouveau contrat. Tu veux dire, Abba fera en sorte que je sois à mesure de signer encore beaucoup de nouveaux contrats? Ça, c'est le minimum. Au fait, tâche-toi juste à obéir à ses instructions. Et tu verras l'accomplissement de tout ce qu'il t'a dit. Zino, si cela sera vraiment possible, je veux partager ça avec toi. Sache que je l'ai fait juste pour toi. Les responsabilités sont partagées. Ne te dérange pas, s'il te plaît. Sache que cela ne sera pas possible. Qu'est-ce que tu racontes? C'est aussi simple que ça. Épouse-moi et nous vivrons toute notre vie ensemble. Zino, j'aime énormément ma femme. Elle veut absolument tout dire pour moi. Si tu l'aimes autant, que fais-tu avec moi? Pourquoi tu es en relation avec moi? Ça, c'est exactement... Tu sais, des fois, je me demande très souvent ce que je fais avec toi. Et sérieux, je suis toujours confus à chaque fois que je me demande ça. T'es confus? Bébé, j'étais assez longtemps captivé. Le temps est venu pour toi de faire l'essentiel. Oui, tu as raison, Zino. Et cela, c'est vraiment ce que j'apprécie chez toi. Exact, tu es une fille très travailleuse. Et c'est pourquoi je t'ai employée en tant que ma secrétaire. J'aurais dû m'arrêter par là, mais non, je suis allé trop loin et voilà maintenant que je me retrouve dans cette situation avec toi. Ok. Écoute, Thierry, je suis désolée. D'accord, je suis désolée que tu te retrouves dans cette situation. Mais la vérité est que je t'aime. Bien, faisons ceci. Écoute. Nous devons juste oublier tous ces parcours nous sommes passés pour arriver jusqu'ici. Écoute, Zino. Quelque chose. Zino. Bébé. Je dois partir. Alors, vois-moi demain au bureau. Que s'est-il passé? T'as-tu dit quelque chose de mal? Hein? Viens, n'oublie juste pas que nous devons rentrer chez Agbara dans les 2 jours qui viennent. Du n'importe quoi. Voilà comment est-ce que mon voyage avec ce féticheur a commencé. Des fois, je me demande pourquoi j'avais attendu. Pourquoi j'avais attendu jusqu'à ce que les choses ne puissent arriver jusqu'à ce point avant que ma femme ne puisse me présenter à vous. Il y a un temps pour toute chose. Dieu sait pourquoi est-ce que cela arrive en cet instant. Frère Jeff. Oui, pasteur. Votre mère est encore en vie. Pour être franc, elle se trouve au point de la mort. Vous avez raison. Tous les deux devriez avoir une sérieuse discussion avec vos femmes. Il y a tellement de choses que ces femmes ont besoin de vous dire à tous les deux. Pasteur. Mais ma femme ne me laisse pas tranquille pour ça. En fait, il n'y a pas de paix. Suivez juste les instructions du Dieu Tout-Puissant.
Et là, tout ce qui reste de cette situation s'ensuivra. Pasteur, vous me rendez encore bien plus confus. Je veux dire, vos mots me rendent de plus en plus et encore plus profondément confus. Frère Emeka, ce ne sont pas mes mots. Ce sont les mots du Dieu Tout-Puissant. Je ne suis qu'un simple instrument pour faire parvenir la parole de Dieu à vous. Jeff, tu l'as entendu. Tout ce que je sais de dire est que maman ne saura pas supporter toutes ces choses. C'est exactement ce que j'ai dit à mon mari quand nous étions en train de venir ici. Épargnons la pauvre vieille de toutes ces histoires. Pasteur, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Bien, je pense que vous devriez d'abord commencer par vous calmer et essayer de parler un peu moins. Oh, la voilà qu'elle arrive. Maman, tu as quand même pu sortir. Doucement, par ici. Doucement. Je ne pouvais pas m'imaginer être ici aujourd'hui avec vous pour entendre cette vérité. Doucement, maman. Oui, la vérité, oui. Devant vous tous, et qui est assis ici. Doucement, emmenez de l'eau, s'il vous plaît. Dépêchez-vous. Doucement, maman, ça va aller. Emmenez vite de l'eau, s'il vous plaît. Doucement, maman. Allez-y doucement. Il s'est passé quelque chose dans le temps. Odi, mon meilleur ami. Onye? Odi. Obere. Mon cher ami. Obere. Les grands temps. Mon cher Véronos, mon cher ami. Obere, tu me rends visite très tôt le matin comme ça, Je dois te parler de quelque chose. C'est très important. Et c'est urgent. Obere. L'article pour le sacrifice est prêt. Et même ces autres articles que nous allons utiliser, je l'ai obtenu là-bas en allant au marché. Je les ai déjà. Donc, Dieu merci, tu es ici. Pourquoi est-ce que ton visage est frustré ainsi? Tu as l'air inquiet. Oh Dieu, ma femme est en colère. Dès qu'il a pris la décision de venir avec nous, ça a pris tellement beaucoup d'années. C'était très difficile pour moi de convaincre ma femme. Obéré. Concernant ce problème de femme, tu devais vraiment être très prudent. Le prêtre a dit que la présence d'une femme est très importante. Donc elles doivent être là. Parce qu'elles connaissent très bien le business dans lequel toi et moi nous travaillons. Voilà pourquoi elles doivent être là. C'est très important et tu sais. Donc elles doivent être là. Tu n'as pas du tout à t'inquiéter. Leur présence ne doit t'inquiéter en rien du tout. Oh Dieu. Es-tu vraiment sûr de ce que tu fais? Es-tu vraiment sûr de la décision que tu es en train de prendre? Ça aura des conséquences. Vraiment sûr. C'est ça même. Obéré. Cette chose que nous sommes sur le point de prendre, elle va nous rendre prospères. D'ailleurs,
ça va nous faire quitter de la prospérité vers la pro-prospérité. De la prospérité vers la pro-prospérité. Obéré, mon ami. Alors, mon cher, ne t'en fais pas. Ne t'en fais surtout pas, car le meilleur est pour bientôt. Et là, nos enfants ne souffriront plus jamais. La pauvreté ne sera plus comptée parmi nos enfants. Et ça sera comme ça, mon cher ami. Je préfère qu'on puisse me blâmer pour mon business. Tout ça, ce sont des années et des années de sacrifices. Hein? Nous devons le faire, toi et moi. Pour que le domaine de nos enfants soit meilleur. OJ, mon frère m'avait dit qu'il y aura des conséquences. Tout ce que j'ai besoin maintenant, c'est d'être rassuré. Je comprends tout ce que tu es en train de me dire, mais je veux être juste rassuré. Il faut que tu me rassures. Obéré, je suis en train de te rassurer. Hein? Tout est sous contrôle. Voyons-nous juste à notre lieu de rencontre. Hein? Très simple. OK, laisse-moi me préparer. Voyons-nous ce soir, on va voir quoi faire. Laisse-moi prendre quelque chose. N'oublie pas, c'est au prochain jour du marché, après celui-ci. Hein? Alors ne t'en fais pas mon ami, ça va aller. Je vais prendre un truc là-bas. Je dois y aller. Tu vois que maintenant tu viens d'être rassuré, tu insistes à pouvoir y aller. Tu vois comment est-ce que je t'ai mis ici? Il n'y a personne qui veut faire ça, regarde. Laisse-moi aller prendre. Ouais, c'est ça. On va se voir après. On se voit plus tard, Mon cher. Regarde-moi. Amara! Le progrès et leur enfant. Avec ce sang de vos propres corps, vous venez justement de signer un accord éternel avec Abara. Donc, il est temps de jurer. Qui commence? Moi, Mazie, Oji, Olenko, je promets de demeurer dans cet accord avec Abara jusqu'au jour de ma mort. Je m'appelle Obene Injoku. À partir de moi-même, ma femme et toute ma génération, je promets de garder les règles de cet accord jusqu'à ma mort. Moi, Né Nzoku, je jure sur l'ordonnance de cette alliance. Je promets de ne jamais la briser
jusqu'à ma mort. Moi, Obiangeli, Omenko, je promets de garder le secret de cette alliance, de ne jamais le dire jusqu'à ma mort. Avec ces mots, vous venez d'entrer dans une alliance éternelle avec Abara. Vous vous devez de garder cette alliance à travers toutes vos générations, même jusqu'à la cinquième génération. Échouez à faire ceci, et le désastre sera avec vous. Est-ce que je suis assez clair? Oui, grand sage. Bien. Abara, tes enfants sont venus chercher ta bonté. Tu es celui qui donne le bonheur à ceux qui n'y ont levé le moindre petit doigt. Tu es celui qui donne toute la richesse que ce monde ne peut offrir. Prends ceci. Avec ce couteau, vous allez donner en sacrifice à Abara une fois chaque année et une fois à la fin de chaque année. Et vous devez vous rassurer d'initier également vos enfants une fois qu'ils atteindront l'âge de 20 ans pour la purification et la sanctification devant Abara. Si vous échouez également à faire ceci, vous attirerez le désastre. Est-ce que je suis bien assez clair? Oui, oui. Oui, le vieux sage. Bien. Abara! 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 Il n'y a personne dans cette maison. Obi! Ah! Obiangeli, comment tu peux rester toute seule ici? Et sois la bienvenue. Tu es là. Il n'y a rien, oh. Mon ami, viens, prends place. Ça fait longtemps. Oh, quelle surprise. Non, maman. Dis-moi, souviens-toi comme ça. J'étais isolée, je suis toute seule chez moi. Et j'en avais marre. Je me suis demandé, mais comment font le veuve? Pour mon cas, je ne fais que m'appuyer sur mon fils et mon Dieu. Hein? Dieu? T'ai-je entendu mentionner Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ferme ta bouche. N'est-ce pas que c'est lui qui a tué le mari? Hey, Obiangeli. Qu'est-ce que tu racontes? Veille sur ta langue, avant que cela ne te cause de grands troubles. Hein? Hey! Comment tu peux dire de telles choses? Hein? Tout le monde dans ces villages sait que nos maris sont morts par accident. L'accident de voiture. Bien sûr que oui. C'est même Dieu qui les a tués alors qu'ils étaient sur le point d'aller le servir. Et c'est toute une génération qui en périt. Allez, laisse tomber, arrête. On dirait que cela ne suffisait pas. J'ai vu dans la pauvreté extrême. Je vivais tranquillement dans la maison de mes parents, pensant à un avenir radieux. N'est-ce pas que c'est ce mariage qui m'a mis dans ces pétrins, dans cette souffrance? N'est-ce pas que ce sont le même Dieu que nous ont conduits jusqu'ici? Arrête! Ne mentionne plus le nom de Dieu ici. Que le Dieu de notre terre te sauve dans cette perdition. N'est-ce pas que nous n'avons pas encore fini les temps de sacrifice de notre deuil? Nous sommes censés continuer avec le sacrifice jusqu'à ce qu'il vienne à notre aide, comme prévu, et qu'il nous sauve de la mort. Moi,
Jamais. Qu'est-ce que tu racontes? Que j'attende encore pour 2 ans? Mais tu as encore de l'âge. Tu mourras. Si tu continues comme ça, sans secours. Si tu veux, tu peux continuer à faire ce sacrifice à Dieu. Ça ne dépend que de toi. En ce qui me concerne, je rentre chez moi, chez mes parents, avec mon fils. Mon fils est Meka. Assez, je ne vais plus être esclave d'aucune divinité. Rabek, pardon. Oh, bien, Kelly. Sois averti, oh. Regarde-moi cette. N'oublie pas le vœu que tu as fait dans le sanctuaire. Les serments que tu as faits. Allez, le chemin est libre. Tu peux rentrer. Et tu es en train de me chasser. Tu peux rentrer d'où tu viens. Sache que le Dieu te tient à l'œil. Je m'en fous. Va-t'en, je m'en fous. Je m'en fous des conséquences. J'ai assez longtemps traîné dans cette situation, je n'en peux plus. Ah ah, c'est quelle vie ça? Il n'y a rien qui change depuis qu'on a commencé à observer ces sermons. Assez, je n'en peux plus. Fais dodo, Emeka mon bébé. Fais dodo, t'auras dit lolo. Qui est cette personne qui est dans ma maison? Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu dans ma parcelle? Hein? Oh, kiri kiri kanani. Amana nieni. Oto, voilà. Hein? Ok, mon. Ah, bakatelu. Onye? Onye, tu onye? Dans ma parcelle, où t'es cache? Si tu n'as pas peur, montre-toi. Qu'est-ce que vous faites dans ma parcelle, tous les deux? Êtes-vous venus pour me jeter un sort? Femme, arrête de te lamenter. Tu ne peux pas venir ici te lamenter. Réalise ta promesse. Quoi encore? Ok, c'est bon. Né, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu te comportes en infidèle au serment que tu as fait au Dieu? Je ne dois à aucun Dieu ou à qui que ce soit. Que faites-vous ici, méchant que vous êtes? Nous sommes venus te rappeler que ton fils est le fils de Oji et qu'il est venu reprendre sa possession. Juste comme moi, je le fais à mon père. Allongé malade sur un lit, mon père me l'a dit droit aux yeux et que le sacrifice devait être offert au temps propice. Et ça fait déjà 17 ans jusqu'ici. Le vendredi prochain sera le jour du marché. C'est le jour prévu pour toi de faire ton... Je n'ai aucune idée de ce que tu dis. Sur ce, ça m'est égal. Aucun de mon fils ne sera mis au service de vos dieux. Allez-vous-en maintenant. Écoute-moi, femme. Abala honore sa promesse. Toutes ces années, non parce que tu t'opposes à elle, mais tu dois bien savoir. Elle est très importante que tout ce que tu peux imaginer. Oui, elle attend juste que tu réalises ta promesse. Elle veut que tu continues à l'offrir tes enfants. Non, aucun de mes enfants, aucun de mes fils ne servira vos dieux. Je suis prête à vous affronter. De la même façon que vous êtes partis, tout est fini. Point. C'est un peu ça. Comment les choses se sont passées. Je suis prête à donner ma vie à Dieu. Ah, Christ. Pour que mes enfants et Meka
et vivre en paix. Désolé, maman. Tu veux dire Emeka et Jerry étaient des amis? Oui, ils étaient amis tous les deux depuis leur enfance. Ils étaient très rapprochés. Ils font partie de cette histoire. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Donc vous êtes la femme dont ma mère m'a interdit de me rapprocher. Vous êtes la femme dont ma mère m'a formellement interdit de me rapprocher. Que je devrais rester très loin de la communauté des Oumounele, ma propre ville natale. Oh. Oh. Maman, qu'est-ce que nous allons retenir? Est-ce les paroles de la sorcière ou la volonté des dieux? Mes chers frères, plus de questions nous rapportent encore plus de confusion. Laissons Dieu accomplir sa volonté. Maintenant que nous connaissons tous la vérité, la prochaine étape, c'est donner vos vies à Christ et faire sa volonté. Maintenant que je vous ai ouvert tout mon cœur, je peux m'endormir avec mes enfants. Non, maman, vous ne pouvez aller nulle part jusqu'à ce que vous n'ayez établi une paix éternelle avec Dieu. En ce Jésus, il existe une paix éternelle. Car ce Jésus est l'auteur et le rémunérateur de votre vie. Donnez votre vie à Christ. Le Dieu que je sers a l'habileté et la capacité de vous pardonner de tous vos péchés. Maman, donnez votre vie à Christ. Maman, il n'est jamais trop tard pour venir à Dieu. Même si tes péchés sont devenus noirs comme le charbon, le Dieu Tout-Puissant te purifiera de ses péchés. Maman, tout ce que tu as à faire, c'est d'accepter Christ pour sauver ton âme et assurer l'avenir de tes enfants. Vous devez faire la même chose, vous aussi. Nos maris, donnez vos vies à Christ. Laissez-les combattre pour vous. Avec lui, la victoire est certaine. Exact. Je vous prie, donnez vos vies à Christ. Maman, maman, je t'en supplie, ne dis pas de telles choses. Dieu seul pardonne nos péchés. Hé, maman. Priez pour moi, homme de Dieu. Je crois qu'il est temps pour moi de m'endormir avec mon père. Amen. Priez pour moi. Amen. Notre Amen. Cher Père, notre Dieu, je laisse cette famille entre tes saintes mains. J'utilise maman comme le point d'union. Car elle a publiquement renoncé à son secte nocturne de cette alliance qu'elle avait établie. Et aujourd'hui, Jésus, je la couvre du sang de Jésus. Jésus. Je couvre cette famille avec le sang de Jésus. Sang de Jésus. Tout pouvoir occulte contre cette famille n'a plus aucun effet à cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus. Et je dis, ô Dieu, puisse ton nom être glorifié dans cette famille. Amen. Je couvre cette famille du sang de Jésus. Merci, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Non, pas question. Non! Ce n'est pas possible. Non, ils ne peuvent jamais sortir de ces jougs. Ils ne peuvent jamais être libérés de ces sanctuaires. Calme-toi, Zino. Il y a encore de l'espoir. Espoir? Oui! De quel espoir s'agit-il? Comment est-ce possible qu'ils sortent de ces jougs, de ces chaînes? Comment? Ceci veut dire qu'ils sont plus puissants que... Ah, voilà, sur que nous avons mis notre confiance. Calme-toi. Ce n'est pas le moment de s'inquiéter. C'est le moment d'agir. Est-ce que tu as bien constaté, les garçons? Il est très faible. Il peut nous servir de sacrifice. Oui. Les garçons. Oui. Je te ramène les garçons. Pour avoir désobéi, il doit être sacrifié au sanctuaire pour apaiser l'esprit de mon père. Oui, tu as raison. Les garçons. Les garçons. Nous allons tuer les garçons.
Je vais l'offrir en sacrifice. Je te ramène, le garçon. Honnêtement, vous avez raison. Vous savez, depuis que j'ai donné ma vie à Chris, j'ai constaté le changement. Que Dieu soit loué. Ma vie va vraiment de mieux en mieux. Mes revenus financiers ont augmenté. Vous savez, les choses n'ont pas cessé de s'améliorer. J'ai maintenant un nouveau contrat que j'ai cherché depuis beaucoup d'années. Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas du tout comment je peux vous remercier. Toute la gloire et l'honneur reviennent au Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui s'est souvenu de vous et de votre famille. Et comment va votre femme? Je ne l'ai pas du tout vue depuis un moment. Oui, elle va bien. Elle s'occupe de certaines affaires. Ça, c'est voilà bien. Pourquoi ça, c'est elle... bien. Je comprends. Alors, comment a-t-elle prise la nouvelle de quand elle a appris que vous avez donné votre vie à Christ? Comment a-t-elle pris ça? Eh bien, pasteur, ce n'était pas du tout facile, mais... Je l'ai fait. Je me suis confessé à elle et... Elle m'a accepté avec ma nouvelle vie. Et je remercie Dieu parce qu'elle a été capable de me pardonner et de tout oublier. Parce que franchement, c'est très peu de femmes qui feraient ça. Et cette nouvelle vie, vous plaît-elle? Oui, pasteur, parfaitement. Mais il y a quelque chose dont vous n'avez pas à parler. Et je sais que vous ne savez rien à propos de cela. Qu'est-ce que cela peut bien être, pasteur? Vous aviez eu un fils avec Zino. J'ai un fils. J'ai vraiment un fils, je vous en prie, ne soyez pas encore excité. Mon cher frère, le Seigneur dit que maintenant, tu devrais le chercher. La raison pour laquelle il se rapprochait de toi, c'était pour en finir avec toi. En finir avec moi? Pasteur, mais c'est vous qui venez à peine de me dire qu'elle a un enfant. Mais je n'avais jamais su qu'elle était enceinte. Elle ne m'a jamais dit qu'elle était enceinte. Après que le père soit mort, vous lui avez donné 6 mois. Et là, c'est parce qu'elle se préparait à avoir un enfant. Et cet enfant est venu au monde. Et bien après ça, elle est venue travailler. Exact. Elle m'avait supplié pour avoir ces 6 mois. Et alors je m'étais dit... qu'à cause du simple fait qu'elle était ma meilleure employée, j'avais décidé de lui donner ces 6 mois. Et c'est à cause de ça qu'elle a été capable de cacher la grossesse, donner naissance, sans laisser aucune trace. Mais puisque leur premier plan a échoué, ils veulent utiliser le sang du bébé comme sacrifice. Pasteur, ne me dites pas qu'elle va tuer notre fils. Ne me dites pas qu'elle peut faire ça. Frère Emeka, c'est la raison pour laquelle l'enfant a été mis au monde. C'est ce pourquoi il a été mis au monde. Mais le Seigneur a déjà mis sa main puissante sur elle et la situation a bien été prise en main. Alors je vous demanderai d'informer à Bénédicte et à Jeff que nous aurons une prière cette nuit même. La ligne des batailles est tracée. Nous devons souder nos mains. Par les prières. Oui, pasteur. Ah, Dieu. Mais, pasteur, comment est-ce que les gens peuvent être si méchants et sans cœur? Nous vivons dans un monde méchant. Mais ça va aller. Que Dieu te bénisse, mon frère. Merci, pasteur. De rien. Où est passé ces vieux fous? Il n'est même pas joignable. Qu'est-ce qui se passe? Zino, tu es déjà ici? J'étais en train d'essayer... Je suis venu récupérer les garçons. Ah, le garçon? Au moins entre avec moi, comme ça on va parler un peu. Comme ça, je vais te donner le petit garçon. Oh, Foba, j'ai besoin de ces garçons. Maintenant même, ne me provoque pas. Calme-toi. Cela veut dire que tu dois me suivre à l'hôpital parce que le garçon est malade. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi?
Mais le docteur a dit qu'il va très bien. Hmm? Il va bien, ne t'en fais pas. Je vais rentrer avec lui. J'ai besoin de lui, maintenant. Non, le docteur a dit qu'il ne devrait pas quitter l'hôpital. Ah. Ok, allons-y. Et le voici. Fais le nécessaire. Dépose-le. Ici. Étrangle-le. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. La Bible nous dit en Ésaïe chapitre 54, le verset 17. Toute arme forgée contre toi sera absolument nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Oh Dieu, Dieu Tout-Puissant, je me tiens devant cette famille en tant que l'oracle pour dire et déclarer que tout jugement ou bien tout mot qui a été dit contre cette famille par l'ennemi, toute arme forgée contre cette famille, Père, nous la déclarons nulle et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, là est nulle et sans effet. Seigneur, prends le contrôle de cette famille en entièreté. Je détruis tout au nom de Jésus. Amen. Je brise ça au nom de Jésus. Amen. Je brise là au nom de Jésus. Amen. Il n'existe qu'un seul Dieu. Abarawani. Abarawani. Reçois le sacrifice. Tue-le. Coco. Nous l'avons perdu. Non. 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 Oh, Coco. Non. Ce n'est pas possible. Non. Je ne le laisserai pas me vaincre. Je ne voudrais pas perdre cette bataille. Tu dois faire quelque chose. Fais quelque chose, s'il te plaît. Fais quelque chose. Non, ce n'est pas possible. Ils ont peut-être gagné la bataille. Mais nous, nous allons gagner la guerre. Non. 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 Fils, le temps est venu pour moi de partir. Ne m'empêchez pas de partir. J'ai fait ce qu'il fallait. J'ai fait le nécessaire. Maintenant que je vous ai laissé entre les mains de Christ, vous êtes libérés. Vous êtes libres. Maman, pourquoi tu parles ça maintenant? Oui. Je peux. Je m'en vais. Jeff. Maman. Apprends à écouter ta femme. Elle te sauvera de beaucoup de dangers. Hein? Mmh. Jeff, prends bien soin de ta famille. Et de ton petit frère. Maman, essaie de te reposer, d'accord? Tu ne vas pas mourir. Ma chérie, ma jolie belle fille. Oui, maman. Ma fille. S'il te plaît, prends
soin de ton mari, ainsi que de tes enfants, comme la tradition demande. Maman, doucement. N'oublie pas. Vraiment. Maman. Je vous aime tous. Nous t'aimons aussi, maman. Maman? Maman! Maman! Cette histoire est en train de m'empêcher de dormir. Je n'arrive pas du tout à avoir sommeil à cause de tous ces problèmes. Cette femme est tellement obsédée. Coucou. Et tu es en train de te la monter? C'est quoi le problème? Rien du tout. Je me demandais juste. Sur quoi et pourquoi? Écoute, nous ne jetterons pas l'éponge. J'ai trouvé une autre piste pour que nous puissions récupérer cette bataille. La femme des Mecca est enceinte. Je pense que nous devons trouver comment la kidnapper et retirer cet enfant de son ventre pour qu'il nous serve de sacrifice. Je ne pense pas que je peux continuer de cette façon. Pour un long moment. Non. Je pense que nous devons oublier ces gens. Nous devons faire autre chose. Au lieu de continuer de se battre. Ne me pousse pas à m'énerver. Comment tu peux dire ça? À qui revient la décision sur la victoire de la bataille? C'est à moi. Et non à toi. Tu m'entends? Est-ce que tu sais? Aucun d'eux ne va accepter de mourir. Nous n'avançons pas. Les choses ne changent pas. Nous sommes bloqués. Et je ne pense pas que je dois continuer de cette façon. Il faut que tu y penses. Coco. Oui. Coco. Un autre choix que de te tuer, de te donner en sacrifice, comme l'a voulu mon père. Tu ne vaux rien. Après tous ces temps, c'est ce que tu veux me payer en retour. Meurs. Meurs. Et mes cailloux, tenez-vous prêts. J'ôterai la trace de votre famille sur la surface de la terre. Je jure que je viens vers vous. Je dois venger mon père. Toi! Sincèrement, je vous dis les amis, c'est vraiment une très belle maison. Je vous dis, c'est vraiment une très belle maison. Très bien, merci beaucoup. Vous savez que c'est le moment de se reposer. Après tous ces moments qu'on vient de passer. Oui, tu as raison, tu as raison. Tu peux le redire encore, mon cher. En tout cas. Dieu nous a accordé le repos, alors profitons-en. Dieu a publié encore une année de grâce pour nous. Quelle joie, quel bonheur. Vraiment, ma chérie. C'est bon. Mais qu'est-ce que tu racontes là? S'il te plaît, ne la blâme pas. Il est fidèle à jamais. Écoutez, les amis, Dieu l'a enfant. Ah, vraiment. Ma femme est là et elle va bientôt me donner un enfant. Ma femme est déjà. T'es sérieux, mec? Eh bien, ce petit garçon portera mon nom. Tu es enceinte? Oh. Oui, je suis enceinte. En tout cas, au revoir.
Ah, merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup, mon cher. Vous savez qu'on a passé vraiment des bons moments ensemble. Tu as raison, mon cher. On est passé par vraiment beaucoup de choses. La misère, la tristesse, et tout ça juste pour nous réunir ensemble maintenant. Que dire de tous ces jours qu'on a passés en voulant nous suicider? Imaginez un peu ça, les gars. Dieu est merveilleux. Vraiment, remercions Dieu pour tout. Parce que c'est lui le maître des circonstances. Rien n'est plus grand que l'amour de Dieu. Oui, Dieu est merveilleux, mon cher. Mais n'oubliez pas, on doit rester concentré. C'est vraiment ça la base. Vous n'aurez rien à célébrer tant que je vivrai. C'est toi? Qui es-tu? C'est elle, cette Zino, la fille qui a presque ruiné ma vie ainsi que celle de ma famille. Attendez d'abord. C'est elle qui, maman, était en train de parler? Oui, c'est bien moi, Zino. Je suis Zino, la fille du prince de la parabole dont ton père t'a raconté il y a 17 ans passé. Toi, démon, qu'est-ce que tu veux faire encore? Personne ne veut la connexion diabolique. Laissez-nous tranquilles. Pas question. Mon père est mort dans cette bataille. Moi, je dois venger son esprit. Nous ne sommes pas intéressés à tout ce que tu racontes. Sors vite de cette parcelle, toi, sorcière. C'est d'ailleurs pour toi que je suis venue. Je suis venue te prendre en sacrifice pour apaiser l'esprit de mon père. Je suis venu reprendre ce qui est ta main. Ton père a trahi Agbala. Il n'a pas tenu promesse au serment de Agbala. Il était au courant des conséquences qu'allait suivre sa famille et toute sa génération. Tu fais partie de cet héritage. Tu ne peux pas échapper de mes mains. C'est pour te tuer quand je suis là. Je dois apaiser l'esprit de... Avec la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu ne feras rien. Tu n'as aucun pouvoir sur nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous sommes couverts par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as aucun pouvoir de nous tuer. Au nom de Jésus, tu ne feras rien. Au nom de Jésus. Tu n'as aucun pouvoir sur nous. Au nom de Jésus. Merci, Jésus. Au nom de Merci, Jésus. Nous sommes couverts par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Sois détruite. Sois détruite au nom de Jésus. De nous que le feu te consume. Au nom que le feu Jésus, de Jésus te consume. Rien. Au nom de Jésus. Tu n'as au nom aucun de pouvoir Jésus. Sur nous. Sois détruite par au le sang de Jésus. Jésus. Sois au détruite au nom de Jésus. Sois détruite au nom de Jésus. Que le feu de Jésus te tue. Que le feu de Jésus-Christ te tue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois détruite au nom de Jésus. Sois détruite au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Détourne-nous du bien au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois détruite au nom de Jésus. Tu n'as aucun pouvoir sur nous. Au nom de Jésus. Que le feu de Jésus-Christ te tue. Que le feu de Dieu te consume. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu te consume. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu n'as aucun pouvoir de nous tuer. Sois détruite. Au nom de Jésus. Sois détruite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ô Père éternel, nous te remercions. Merci Seigneur, nous te remercions. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus. 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 Seul ou éternel. Chérie, lève-toi s'il te plaît. Allez, debout. Debout. Oui, est-ce que ça va? Hein? Ça va, oui. Es-tu sûr? Allez, viens là. Oh. Oh. Merci, mon Dieu. Oh. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. C'est cette façon que les enfants de Dieu doivent se comporter. Le diable n'aura aucun pouvoir sur nous. Voilà, nous avons prié pour vous et vous êtes revenus à la vie. Peu importe le combat, et ne nous vaincrons jamais. Jésus a déjà vaincu pour nous à la croix. De Golgotha, au nom de Jésus. La Bible dit dans Ésaïe 54, toute arme fabriquée pour nous faire du mal n'atteindra pas son but au nom de Jésus.
Tu es avec nous, alléluia. Merci Jésus, merci. Merci d'avoir sauvé ma vie. Tu es merveilleux. Ainsi que celle de tu ma femme. Es fidèle. Notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Alléluia, tu es fidèle. Le Dieu des armées. Je vous en prie, venez. Venez à l'intérieur, venez. Allez, allons-y. Allons-y, ouais. Entrons. Allez. Entrons dans la maison. Allons-y, s'il vous plaît, allons-y. Attends, chérie, attends. Doucement, doucement. Venez, venez. Comme je le disais, je crois bien qu'on va le trouver. Oncle bas, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, calme-toi, ok? Il n'y a rien. Reviens, s'il te plaît. Emeka. Es-tu venu ici pour me faire arrêter? Te faire arrêter? Oncle bas, mais qu'est-ce que... Pourquoi est-ce que je viendrai ici pour t'arrêter? Écoute. Viens t'asseoir, s'il te plaît. Viens t'asseoir, s'il te plaît. Je ne suis pas venu ici pour te faire arrêter, d'accord? Bien. C'est bon, assieds-toi. Comme je te l'ai dit, je ne suis pas venu ici pour t'arrêter. Je suis venu ici pour te demander pardon pour... t'avoir abandonné absolument tout ce temps. Pardonne-moi également, mon fils. Je sais que moi aussi, je t'ai fait du mal d'une certaine manière. Alors, je t'en prie, essaie toi aussi de me pardonner, je t'en prie. S'il te plaît. Je sais que, à plusieurs reprises, j'ai été contre toi en suivant cette femme. C'était ta mère qui m'avait entraîné dans tout ça. Je suis désolé. Ce n'est pas grave, mon oncle. Je suis vraiment désolé. C'était la gourmandise qui m'a poussé à faire ça. Je suis désolé. S'il te plaît, je voulais juste devenir un millionnaire. Mais le problème aussi, c'est que j'étais vraiment très gourmand. J'ai succombé à cette tentation. Et j'ai fait ce qu'il ne fallait pas. En tombant dans le piège de cette femme maléfique. Zino. Oui, c'était ça son nom. Elle m'avait assuré qu'elle me donnerait absolument tout ce dont j'avais besoin, surtout de l'argent. Qu'elle me donnerait absolument tout ce que je souhaiterais. Et seulement il fallait que je fasse tout ce qu'elle me disait. Hey, je n'avais pas d'autre choix que de le faire. Tu dois me croire, mon fils, ça a été très difficile. Oncle, c'est bon. Je sais que c'était difficile, oncle. Comment est-ce que tu as pu permettre à ce qu'une totale étrangère puisse me tuer, en finir avec moi, pour m'avoir moi et Emeka, ton neveu? Comment as-tu pu? Oh, c'est vraiment difficile. Emeka, calme-toi. Ça va? Il n'y a rien qui va t'arriver. Oncle, parlez-nous. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je le jure que je ne voulais pas du tout te faire du mal. J'en avais après l'argent. Hein? Il y a 2 ans de cela, elle est venue me voir avec une grossesse. La suppliant de prendre soin d'elle et pendant qu'elle avait donné naissance à un fils. Hey. Zina a donné naissance à un fils dans cette maison? Exact. Jésus-Christ. Comment est-ce que je n'ai jamais pu le voir? Oncle, comment est-ce possible? Elle était partie 2 jours après, sans jamais revenir. Après, elle est apparue après 3 mois, avec un peu d'argent ainsi que des provisions pour le garçon. Elle a dit que je devais prendre soin du garçon, mais juste après ça, elle est venue et l'a ramené très loin d'ici. Je ne savais pas ce qui lui était arrivé. Je suis vraiment désolé. Après que toutes ces histoires passent, qu'est-ce qui s'est passé encore? Je veux dire, après ça, qu'est-ce qui était censé se passer? La dernière fois où Zino est venue ici, elle m'avait presque tué. Exact. Elle m'avait presque tué. Et c'est là que j'ai su à quel point elle était très dangereuse et très méchante. Il y a 2 ans de cela,
Elle était venue et m'a demandé de te rendre visite là-bas en ville. Avec une substance empoisonnée. Une substance empoisonnée? Exact. Elle a dit que c'était un mal pour un bien. Rebecca, si seulement j'étais vraiment si gourmand, j'aurais déjà été capable d'exterminer mon propre sang, toute la famille. Alors j'avais refusé. Et là, elle a essayé de me tuer. Mais Dieu merci, elle n'avait pas réussi. Oncle, rien ne va plus vous arriver. Mais notre Dieu est grand. Exact, notre Dieu est grand. Voilà, il prend soin de ses enfants. Tu as raison, mon fils. Oncle Ouba, tu as cohabité avec une totale étrangère. Tu ne t'es pas arrêté là, tu as même permis à ce qu'elle puisse en finir avec moi, oncle. Elle ne me disait presque rien de tous ses plans. Je ne savais pas tout ce qu'elle était en train de planifier. Quoi qu'il en soit, le mal est fait. Je suis sincèrement désolé, mes enfants, s'il vous plaît. Pardonnez à votre oncle. Je suis désolé. Mais oncle, tu m'as sincèrement déçu. Tu m'as vraiment déçu. Comment as-tu pu cohabiter avec une totale étrangère? Oncle, je faisais absolument tout pour te donner tout ce que tu me demandais, cher oncle. Quoi d'autre? Comment as-tu pu t'allier avec une totale étrangère pour me faire du mal à moi? Hey, écoute, cette sorcière, cette fille semble être la fille du prêtre qui n'arrêtait pas de tourmenter la vie de ma mère chaque jour de sa vie. Hey, oncle, comment as-tu pu? Mon fils, j'ai vraiment honte de moi. Tout ce que j'ai fait, j'en suis pas fier. Pardonnez-moi. S'il vous plaît. C'est le diable qui m'a utilisé. S'il vous plaît, je suis désolé. Je vous en prie. C'était le diable. C'est le diable qui m'a poussé à faire cela. Je vous prie. Je vous prie. Je suis vraiment désolé. Oncle. Oui. Le seul moyen d'être pardonné est que tu donnes ta vie à Jésus. Fais de l'Éternel ton sauveur. Il est le seul qui peut pardonner tes péchés. Est-ce que tu es prêt de recevoir Jésus? Je suis prêt à faire n'importe quoi qui peut me réconcilier, moi, ainsi que mon neveu. Je le ferai. Merci Seigneur Jésus. Alors je t'en prie. Répète après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Me voici auprès de toi. Me voici auprès de toi. Avec tout mon fardeau. Avec tout mon fardeau. D'accepter dans ma vie. D'accepter tel dans ma que vie. Je suis. Tel que je suis. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, corps et âme. Maintenant, j'ai décidé de te suivre. Maintenant, j'ai décidé de toute ma vie. Suivre toute ma vie. Toute ma vie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. C'est bon. Loué soit Dieu. Hey, loué soit Dieu. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme. Dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. All that glitters are gold.